Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis actuellement en quatrième année en majeur système embarqué à l'ECE. En parallèle de mes cours, je suis aussi présidente de l'association d'électronique et de robotique de l'école ECE Borg. Notre association fonctionne sur l'entraide entre étudiants d'années supérieures et inférieures de par de petits projets, des formations ou des soutiens que l'on peut apporter toute l'année en termes de partage de connaissances essentiellement. Donc il y a d'un premier temps notre association ECE Borg pour tout ce qui est robotique et électronique. Également dans le domaine de l'automobile autonome, nous avons l'association ARES. Puis pour le domaine de l'aéronautique aérospatiale, l'association ESPACE. Enfin pour l'intelligence artificielle, nous avons l'association CASAR. Et pour la finance, ECE Finance. Principalement, le temps fort de l'année pour notre association, ça serait la participation à la Coupe de France de robotique, une compétition de robotique étudiante qui réunit chaque année en France à peu près 150 écoles. Je sais que les autres associations, telles que ARES, participent à d'autres compétitions annuelles. Donc pour ARES, ce serait la Formula Student, qui est la plus grande course automobile étudiante, où ils sont d'ailleurs la seule écurie française autonome. Ce robot, c'était notre robot pour la Coupe de France de robotique 2023. Et le petit robot, c'était le prototype de l'association ARES pour la Formula Student.